sommes ici à Nort-sur-Erdre, en direct du nouveau McDonald's situé à Zone de la Pancarte à Nort-sur-Erdre. Et je suis en présence du directeur, monsieur Franck Sastre. Alors donc, ce McDonald's, on en parle beaucoup à Nort-sur-Erdre, il est monté très très vite. Effectivement, normalement, un McDonald's se monte à peu près en 14 semaines. On a réussi, et les équipes techniques surtout, ont réussi la prouesse de le monter en 10 semaines. Ça a été très rapide. On a eu la chance d'avoir un terrain qui s'y prêtait particulièrement et des équipes particulièrement performantes. Donc on est en avance sur notre plan de marche, ce qui nous permet de l'ouvrir aujourd'hui. Et bien, ça fait 10 ans que je suis chez McDonald's. Je suis originaire de la région. Je suis originaire des Pays de la Loire. Je fais mes études à Angers. Donc tout ça tourne un petit peu autour. Et depuis 10 ans, je suis franchisé McDo. J'ai commencé par monter un premier restaurant à côté de Vannes, à Musillac. Puis j'ai repris celui de Châteaubriant et celui de Bain-de-Bretagne. J'ai ensuite récupéré celui d'Éric et j'ouvre aujourd'hui celui de Nort-sur-Erdre, donc ça sera mon quatrième restaurant. Bonjour, moi c'est Marie, je suis équipière polyvalente et j'habite Saffré. Bonjour, moi c'est Fanny, je suis directrice adjointe et j'habite à Châteaubriant. Alors à chaque fois en fait qu'on ouvre un restaurant McDonald's, on y rajoute toutes nos nouveautés. Donc effectivement, celui-ci ne déroge pas à la règle. Et on a mis vraiment tout ce qu'on avait de plus récent, de plus moderne, tant sur le service, puisqu'on va avoir le service à table et notamment la possibilité de savoir où sont assis nos clients. C'est seulement le troisième restaurant en France qui va avoir ça, après deux restaurants parisiens. Et nous avons également un salad bar, nous avons une gamme élargie avec des signatures, des gros sandwichs. Donc on essaye d'offrir à chaque fois toutes les nouveautés à nos clients dont vont bénéficier aujourd'hui les Nortais. Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'habite à Ligné, je suis équipier polyvalent et également sapeur-pompier volontaire. Alors écoutez, oui, tout au long de l'année, nos équipes d'animation vont prévoir des actions au sein du restaurant. Ça peut être la venue effectivement de Ronald, mais également des ateliers pour les enfants, pour Pâques, des ateliers pour la Chandeleur ou autre. Donc nous avons toute une équipe d'animation qui est en charge, en plus des anniversaires qui sont un petit peu une force, une référence chez McDo. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'habite à Tréfieux et je suis directeur sur le site des Touches. Donc un restaurant McDonald's qui s'ouvre sur la région, bah, c'est déjà des emplois créés. Combien d'emplois de créés ? Nous avons créé 45 emplois pour ce restaurant. Nous avons travaillé avec la maison de l'emploi locale de Nort-sur-Erdre et également avec le pôle emploi de Nantes. On est de toute façon sur des emplois aujourd'hui qui sont souvent des jeunes, donc l'on va aider à l'intégration dans la vie professionnelle et puis la formation. Bonjour, je m'appelle Carole, donc j'habite à Châteaubriant et du coup je pilote les restaurants de Châteaubriant et donc des Touches dont l'ouverture c'est aujourd'hui.